Hello everyone, welcome to BGS Video Game Station number 47 with Shadow of the Tomb Raider. Oh yeah, the shadow. The shadow, following the shadow. C'est la fin du monde qui nous guette. C'est très cher Lara à déclencher. Donc on reprend où on était arrivé à la ville de San Juan, enfin la mission de San Juan, avec une petite église. Et c'est là que serait... planquer la boîte d'argent, parce qu'en fait regardez, sympa l'effet, la croix sur le sol, parce qu'en fait tout simplement la boîte aurait été enlevée par un certain Sergio Lopez, qui est un missionnaire de l'époque, donc au 17e siècle, 1600 je sais plus. Et du coup la boîte a été enlevée. Je ne voudrais pas être enterré ici. De l'antre du serpent. Derrière une croix comme ça. Il y avait pas mal de morts, il reste plus que... Comment elle s'appelait la reine? Je ne me rappelle plus le nom de la reine, elle est morte. Elle était assassinée. Sûrement un indice. Elle a été assassinée par Rourke, qui n'est autre que celui qui a tué Anna, et donc peut-être le père de Lara Croft. Qu'est-ce que c'est beau. Faut jouer avec les reflets. Ok, on peut la bouger. Il est quand même beaucoup plus beau que les précédents. Attends, je vais t'aider. C'est assez net. Ça a marché. Alors elle et Yona, c'est... Alors Yona il est en friend zone, mais c'est dingue quoi. Il est friend zone tout le temps. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est clair. La lumière a activé quelque chose. Peut-être que la boîte pompe la vie. C'était un peu rouillé. Ça doit être la quatrième station. Ouais. Jetons un oeil à cette place. Pourquoi il y a des corps attachés à des chaînes? Regardez-moi ça. Plus par le ventre. C'est quand même très bizarre. Comme un cordon ombilical. Je vais devoir orienter le rendez-vous et qu'il accepte la croix sur celle-là. Je vais devoir orienter le rayon vers la fresque de Véronique. Oui, mais je vais regarder le... Je peux regarder? C'est possible? Oh. Ces gens ont l'air d'avoir été torturés, pendus au plafond. Je crois que c'était plus qu'une crypte. Il n'y a rien d'autre, attendez. C'est ce que je pensais. Ouais, regardez un peu ça, la direction artistique. C'est très fort quand même. Enfin, on peut pas le nier quand même, c'est très travaillé, c'est très propre. Franchement, c'est du beau boulot quoi. Lara, c'est bien ce que je pense. C'est du beau boulot. Et avec des momies. C'est pas un peu sacrilège? Pas forcément, non. Ils rendent peut-être un ultime hommage. Ou bien ils étaient malades. Ça doit être la sixième station. Si t'es malade, c'est très glauque. Je dois orienter le rayon de gauche vers la scène de crucifixion. Ah mais c'est avec des vrais corps, c'est très chelou. Je crois qu'il ramasse la croix. Jésus est cloué sur la croix. Je dois orienter le rayon de gauche vers la scène de crucifixion. Ah, c'est clair. Qu'est-ce que c'est bien fait? Je suis ébahi. Ah, c'est dégueulasse.
Heureusement que Lopez n'est plus de son bord. Cette inscription, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent plus là. C'est bon, tu crois? Oublie un peu Lopez. Elle a déjà causé bien assez de nuit. Ok, c'est parti. C'est peur. Alors le jeu vient, mais le Royaume-Uni, oui, voilà. Faut pas s'étendre, qu'il y a un problème. Ouais, on peut se faire buter ou quoi? On fait dans l'ordre. Oh non! C'était un piège! C'est nul. On dirait une église. Ces types ont l'air de moines. Faut pas se planter dans les cheveux. Lui déjà c'est bon. Alors Lopez a lancé les crucifixions avec des momies. Sacré blasphème. Je crois que c'était un lieu de culte. Je suppose que c'est la secte dont parlait la brochure. Non, ça a le sens. Ah, c'est dégueu. Heureusement que Lopez n'est plus de son bord. Est-ce que je vais me faire buter? C'est en solution. Ah, je veux pas buter. Donc c'est celle du milieu, puis après je sais pas. Ah là 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 là. Eh ben on va pas perdre trop de temps, hein. C'est dingue. Mais c'est juste cette séquence-là. Elle enterre les deux précédents. On dirait une église. Ces types ont l'air de moines. Non. Alors Lopez a lancé la crucifixion. Sacré blasphème. Je crois que c'est... Non, dans le sens. Ah, c'est dégueu. Heureusement que Lopez n'est plus de son bord. Cette inscription. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Non! Oh, on peut rien y faire. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que. Derrière une. Enfin. Quoi qu'elle arrive, on se butait? Mais c'est elle qui oriente. Orienter le rayon de gauche vers la scène des crucifixions. On dirait une église. Ces types ont l'air de moines. Ok, là, en gauche, la salle du crucifixion, le bien, comment on fait? Non. Alors Lopez a lancé la crucifixion avec des momies. C'est... Allez Yona, tu pourras m'aider, quand même dire où aller. Je suppose que c'est la secte pour parler la prochaine. Comment on peut faire? Ah, c'est dégueu. Heureusement que Lopez n'est plus de ce monde. Cette inscription. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Tu crois? Oublie un peu Lopez.
Ah, si ça reflète, c'est que c'est bon. Si ça reflète pas, c'est que c'est mort. C'est ça? D'accord. Ok, donc c'est de l'autre côté. Encore un, hein, c'est toujours la même règle. Si ça reflète, c'est que c'est bon. Si ça reflète pas, c'est que c'est mort. C'est piégé. C'est piégé. Ah, on peut pas savoir. Et si je fais. Si je continue. Dedans pourtant là. C'est dedans là? Quel est le problème? Je dois orienter le rayon de droite vers la scène où Jésus est cloué sur la croix. La scène quoi? Je dois orienter le rayon de droite vers la scène où Jésus est cloué sur la croix. Ah oui. Bon, d'accord. En fait, on peut deviner, hein, tout simplement. Bah, faut pas qu'on se fasse tuer, quoi. Qu'est-ce que c'est beau? Alors, il faudra qu'on explique comme le gap. Alors, je veux bien qu'on ait changé d'architecture, on est passé de la PS3 à la PS4, mais quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lopez s'est d'abord fait emmurer par ses disciples. Pas de témoins. Lopez le missionnaire qui a volé la boîte dans l'antre du serpent. La voilà. C'est écrit quoi en latin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un trou pour la lame? Vous pouvez m'expliquer pourquoi... Ah, il y en a plein quoi aussi qui sont morts? Via Crucis. Ah, y a la... C'est horrible. Mais elle est où la boîte? Oh là là, c'est chaud, c'est chume. Oh là, il y a des morts, mais... C'est un massacre.
franchement, c'est supérieur. Mais alors nettement. Mais vraiment nettement par rapport aux autres quand même. Tout ça là. Juste cette séquence. C'est juste décor. Oui, mais ta direction artistique, comment ils sont entremêlés? Comment c'est fait? Où elle est? J'en sais rien. Il me fait cette boîte. Va te faire foutre! Bien, alors on a fini. Est-ce qu'elle va sortir la boîte? Stop! Relâchez-le! Bah alors, relâchez-le! Il est libre. Je vous donne la boîte. Lara, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu trop de gens mourir. C'est horrible. Je sais. On n'entend rien. Mon père était brillant. On l'a arraché. Je me suis dit. Il était obsessionnel, implacable. Vous ne le connaissiez pas. Il refusait de voir le potentiel destructeur. Il fallait y mettre un terme. C'était mon père. Il risquait de conduire le public. Tout ce que j'aime, tout ce pourquoi je me bats. Ce n'est pas comparable. L'enjeu était beaucoup trop grand. Une civilisation entière, des centaines d'années d'indépendance, des milliers de vies. Tu n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Qu'est-ce que c'est nul? Mais qu'est-ce que c'est nul? Mais c'est quoi cette séquence? Mais à quel moment il y en a une? Oh, allez là, on y va! Non mais, à quel moment? Restez pas là! Hey, dégagez! À quel moment il fait ça? Attention! Non, eux, j'ai jamais compris. C'est quoi cette merde? Deathstroke, le gars. Bourque, tu viens de passer en courant? Ouais, je crois qu'on le fait. Un abatteur! Mortel, elle nous chasse! Trouvez l'ordure qui a fait ça! Ah, je suis dégoûté. Ah, j'étais mauvais. Ah, j'ai plus de quoi faire des flèches en fait. Ça. Ah, je suis mauvais. Bourque, tu viens de passer en courant? Ouais. Tu crois qu'on devrait l'appeler? Surtout pas. Si jamais il y a un truc qui change, il ne peut pas en fabriquer. C'est super. Un
Clara, elle est prête à tout. Ce qui est complètement bête. Franchement, qu'est-ce qui justifie qu'elle devienne si méchante? Ah, rien. Non, on peut pas emmener. Un repère est Croft dans la cour. Je répète, votre objectif secondaire est de neutraliser Croft. On va laisser toute seule dans les guillemets. Il est passé. Est-ce que je peux le faire un petit saut? Voilà, magnifique. Ah, il y avait un feu de camp, c'est vrai. Jonah, t'es où? Je suis dans le champ, bien sûr. Ils peuvent pas me voir. Je te fais pas repérer, j'arrive. Il y a un feu de camp, je veux bien, mais il est où? C'est quoi cette poudre? Il y a l'incendie? Ah non, il y a le volcan qui est en éruption, regardez! Ah, c'est pas mal! Du coup, on va finir au volcan! Si je comprends bien. Ah oui, on voit le volcan. Ça va finir sur le volcan. Oulala, beau gosse! Beau gosse, ça va être sympa! Aïe aïe. Cardinal 6, on a Croft en visuel. Elle est à la distillerie, l'équipe déconne, déploiement. Vas-y, je vous ai vu mec, mon snipe, mon silencieux. Ah, j'ai rien compris ces mecs avec leur filet sur la tête. Époque ce qu'il m'a fait là.
cette musique. Lara, je suis dans l'hélico, j'ai un pilote. Quoi? Sérieux? Ah, je vais fouiller un peu, hein. Je suis désolé, mais je loot. Le jeu encourage à looter, alors je loot. Faut grimper ou quoi? On peut pas grimper. C'est le tremblement de terre. Donne-moi cette boîte. Non. Non. Tu vas bien? Bah, il s'est pris quand même, ouais. Ça fait descente, hein. Ça ira. Ok. C'est fini. Jonah. Il a tout, donc c'est le final, non? Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Si je n'avais été toi, ça aurait marché. C'est la coquille. Ah bah, il est touché. Ils iront pas bien loin. Vas-y. Vas-y, ça ira. C'est déjà le final. Saut de 20 mètres, excusez-moi. Regardez ça. Oui. Je veux dire, mais elle fait pas ça avant. Oh là là, même la terre bouge. Oh là 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 là. Ah! Je suis mort. C'est nul. Oh là là. Désolé de me dire ça. Bien supérieur. Non! Je me suis encore fait embouer. Est bien supérieur à ses prédécesseurs. C'est. Alors, je sais pas de me convaincre, c'est que c'est. C'est net, quoi. Vraiment. Bah, pourquoi j'ai pas réussi? Attendez, là, c'était faisable? Oh, faut tout recommencer. Allez, l'arbre. Ok. Ah non! Mais non, j'y arrivais là. Ouh. Ah, pas tout depuis le début, pitié. Oh, pitié. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je suis mort. Oh là là.
Jonah et l'autre, là, ils sont où? Non. Il est venu la récupérer avec le petit bateau. J'espère pas. J'espère que c'est une blague. Eh ben non, c'est pas une blague. Donc c'est qu'une séquence qui n'a servi à rien. C'est encore loin, Paititi? On y est presque. Désolé pour la boîte. C'est pas de ta faute. Bah non, il a essayé de la garder jusqu'au prix de sa vie. C'est Dominguez, c'est le Trinitaire. Depuis le début, aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été ma faute. J'aurais pu avoir une femme. On retrouvera la boîte et on arrêtera Dominguez. Expliquez aux autres, en fait c'est un échec. J'ai raté. Majesté. Lara! Où est la boîte? Amaru l'a prise. Mais la mort du soleil approche. On la reprendra avant la fin du rituel. Ça ne va pas être facile. Il faut qu'on adapte le plan. Je t'en prie. Prends le temps de te préparer. On rassemble des hommes et des enfants. Merci. C'est le final ou pas? Je vais rester pour aider au champ. Préviens-moi si t'as besoin d'aide. Bouchou. Retour à Paititi. C'est le final. C'est le final. On est rendu à la fin du jeu. J'espère que ce sera pas trop long. Y a pas un petit feu là? Pas tout répétitif pour le final. Masse d'armes à 6 pointes, moulée en cuivre et prolongée d'une lame de hache. Je veux bien, mais est-ce qu'il y en a un? Un feu. Y'a pas de feu. Y'a pas de feu de camp. C'est écrit, si on lui parle à l'autre, là, c'est le point de non-retour. Point de non-retour, c'est écrit. Ah, Paititi. On retourne à Paititi. On va faire un petit tour dans Paititi.
Puis bah après, ce sera fini. C'est le plus proche, la grotte du crâne. Je suis sur le bon chemin. Je vais juste faire un feu de camp à mon idée. C'est là? Non, je suis passé à côté. Bah, je veux bien, mais il est... Bon, bah, on va en faire un plus loin. Ce lieu... Je ne comprendrai jamais. Il n'y en a pas. Eh bon sang, c'est par où qu'il faut aller pour trouver un feu? Le temple de Kukulkan est beaucoup trop loin. C'est en hauteur, c'est une tête. Mais normalement, il devrait être facile d'accès. Et là, tout ce que je vois, c'est qu'il ne l'est pas. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Bah voilà, je crois que je suis au max. Le voyage rapide. De toute façon, le final, c'est là, pour lui tout de suite. Là, on a quasiment fait tous les deux de camp, on n'a fait aucun tombeau, qu'une mission en plus. Aucun coffre-trésor, aucune crypte, quelques reliques, quelques documents, quelques fresques, quelques caches et quelques monolithes. Avec ça... Ouais. Donc là, c'est le final. Je dis tout de suite, c'est là que ça se finit. J'espère, parce que ça sera grandiose. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de BGS, BGS 47, j'espère que vous avez apprécié. Donc on va se faire le final et on a terminé après ce très cher Tomb Raider. Allez, à bientôt!